Bonjour, comment allez-vous bien aujourd'hui? Écoutez, il y a un problème qui est soulevé depuis quelque temps et c'est pour ça que je voudrais vous en parler aujourd'hui. C'est le problème des relations sociales. On s'est rendu compte que du fait qu'il y avait beaucoup moins de contacts actuellement, beaucoup moins de relations qui pouvaient être entretenues, effectuées, il y avait deux sortes de comportements qui étaient apparus. Le premier comportement, c'est celui des personnes qui perdent leur capacité sociale, on va dire. Elles se trouvent bien en étant seules, perdent l'habitude de parler aux autres, de se projeter à faire des choses avec les autres. Elles entrent dans une routine, un train-train qui leur convient, certes, mais qui fait en sorte que leurs aptitudes sociales diminuent. Quant aux autres, celles qui aiment beaucoup les relations sociales et qui éprouvent un manque, eh bien, ça fait en sorte que elles se focalisent sur ce manque et le fait qu'elles puissent pas voir comme elles veulent les personnes qu'elles aiment et faire des activités avec. Et du coup, c'est extrêmement difficile parce que elles ne développent plus d'autres capacités. Elles sont plus sur le manque que sur le mode solution. Parce qu'effectivement, on est limité, c'est vrai, mais il reste encore des capacités, des possibilités de garder, même d'enrichir nos relations. Parce qu'une relation, ça n'est pas juste de se voir et de se côtoyer. Ce sont des téléphones, ce sont des courriels, ce sont des cartes ou des lettres que l'on peut écrire, même si ça se fait beaucoup moins maintenant. Quand on reçoit une lettre ou une carte pour une fête, un anniversaire ou n'importe quel événement, c'est un objet qui reste, qu'on peut garder, et donc c'est important. Ça peut être d'organiser des jeux à travers le net, ça peut être de s'envoyer des petits cadeaux, ça peut être d'avoir des pensées. Il y a des tas de manières d'entretenir ces relations. Et on n'a pas toujours l'obligation, j'allais dire, de forcément se voir. Et c'est d'ailleurs comme ça que des relations à distance peuvent, avec des amis, avec des personnes qui vous sont chères, peuvent se perpétuer alors qu'on ne les voit pas forcément. Donc, faites attention de ne pas tomber dans l'un ou l'autre travers, parce qu'effectivement, ça risque d'être difficile pour vous lorsque vous aurez de nouveau à socialiser. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.